Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. Voilà l'addition que l'on peut faire aujourd'hui. L'Allemagne annonce 14 Léopard 2, la Pologne 14, la Finlande 14, la Norvège 8, l'Espagne entre 20 et 54, les Pays-Bas 18, le Danemark 6 et le Portugal 4. Total entre 98 et 132 Léopard. Les États-Unis annoncent 31 chars Abrams. Les Britanniques, qui ont ouvert le bal, promettent 14 Challenger 2. Au total, cela ferait donc jusqu'à 177 chars d'assaut. Pas loin de deux divisions, c'est clairement significatif. Impressionnant tout de même, non? C'est ce qu'on appelle un soutien actif. Sa force est l'admiration de tous. Mais pourquoi ne l'a-t-on jamais essayé dans le Sahel? Pourquoi cette région du monde, torturée, malmenée, ensanglantée par des djihadistes, n'a-t-elle jamais bénéficié d'un tel soutien? Vous aurez remarqué qu'à aucun moment dans cette guerre en Ukraine, il n'est question d'envoyer des soldats étrangers sur le terrain. On leur offre en cascade une centaine de chars et toute l'artillerie dont ils ont besoin. Et les seuls soldats étrangers qui puissent rentrer sur le terrain sont des instructeurs pour les initier au maniement de ces engins. C'est l'armée ukrainienne qui se bat. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais fait dans le cadre du Sahel? Pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour ne parler que d'eux, n'ont jamais bénéficié d'un tel arsenal? Doit-on comprendre que ce sont des sous-hommes, des incapables, qu'il faut absolument protéger? Pourquoi n'a-t-on jamais envisagé de donner du matériel à ces soldats africains pour qu'ils défendent leur territoire comme on le fait pour les Ukrainiens? Les grandes puissances, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. La réalité, c'est cela. Devant ces deux poids, deux mesures, les choses sont claires. Plus besoin de s'interroger de savoir pourquoi les jeunes brandissent des drapeaux russes dans les manifestations en Afrique. Ce n'est pas pour l'amour de la Russie. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que la Russie est fondamentalement meilleure. C'est parce qu'ils vivent l'injustice, le mensonge, le manque d'honnêteté, de considération des puissances occidentales. Les puissances qui se disent amies, mais qui se hâtent très lentement pour soutenir le continent de façon efficace. Les partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas le financement. On nous accorde, au cadre de l'Union européenne, c'est tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. Non, ben, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. La preuve, c'est que la dynamique qui avait commencé est en train de s'essouffler. Il n'y a pas de doute. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il est évident que si les armées du Sahel avaient bénéficié du même appui financier, militaire et stratégique que l'Ukraine, le terrorisme aurait déjà été vaincu au Sahel. C'est une évidence. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signé en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses. On vit mieux. C'est un point de vue qui ne convainc pas grand monde au sud du Sahara. Il est perçu comme infantilisant. Dans l'absolu, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est mis en danger? L'existence même des États sahéliens.
Y a-t-il une valeur au-dessus? Ces menaces sont des menaces stratégiques. J'entends par stratégique, c'est des menaces qui vont remettre en cause, qui risquent de remettre en cause la survie des États actuels. Nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité à d'autres. Nos forces armées ont été affaiblies pendant longtemps. Nos forces armées ont été affaiblies par les programmes d'ajustement structurel successifs qui ont été imposés au continent africain, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des années où on a cru penser que mettre l'argent dans la sécurité, mettre l'argent dans les forces de défense et de sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. On ne s'est pas rendu compte de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Pour développer le pays, il faut la sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut aussi le développement. Une chose est à rappeler au plus grand nombre. La jeunesse africaine ne veut plus d'une présence militaire sur son sol. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de bases françaises aussi nombreuses en Afrique? Voilà. Donc, il n'y a pas eu ces grandes réformes qui étaient nécessaires. Et donc, le sentiment anti-français, il ne vient pas des Russes. Ouais. Les Russes l'ont simplement exploité ensuite, avec les réseaux sociaux. La jeunesse africaine est assoiffée d'indépendance, de liberté. Le French bashing auquel on assiste en est la manifestation. Alors si l'Europe veut se protéger des dangers, des risques venant du désert du Sahara dont nous avons longuement parlé, elle gagnerait à modifier sa stratégie, à mettre à jour son logiciel, en arrêtant d'essayer d'installer des bases dans des pays de la région et en dépensant ces sommes faramineuses pour contribuer à renforcer à la fois les armées subsahariennes, mais également les États, sans ingérence et avec respect, comme elle le fait sur d'autres continents. Je crois que c'est l'intérêt des pays européens de les aider parce qu'il y a une menace véritable de déstabilisation de cette région. Mais aider comment alors? Et si cette région éclate, il y aura des conséquences sur la France et sur l'Europe. La roue de l'histoire tourne et rien ne sera plus jamais comme avant. Il convient pour les dirigeants occidentaux de le comprendre et de prendre en compte les exigences d'une jeunesse africaine qui sait mieux que ses aînés ce qu'elle veut. Il faut arrêter de faire pression sur les dirigeants africains pour installer chez eux des bases militaires, des zones de surveillance, de survol des drones, des bases de ravitaillement. Personne n'est dupe de l'intérêt que cela représente. Il faut arrêter de faire pression sur les dirigeants subsahariens pour qu'ils acceptent ces bases comme on le fait en ce moment au Bénin et au Togo. C'est le moment d'établir une relation différentes. Non, il ne faut pas imposer quoi que ce soit, il faut être à l'écoute et les aider autrement, puisque les formes d'aide ont échoué, aide militaire en matériel, en conseil, en formation, en renseignement, mais pas par une présence visible de l'armée française autant que possible. Les Africains ont juste besoin de souveraineté, les Sahéliens juste besoin de se défendre, de défendre l'intégrité de leur territoire. Et si cela passe par des Russes, pourquoi pas? Et si cela passe par des Chinois ou des Turcs, pourquoi pas? Mais ce n'est pas un choix fait de gaieté de cœur. C'est une réaction face à la condescendance, au mépris des partenaires traditionnels qui n'ont pas compris que la donne a changé, qui n'ont pas compris que les pratiques du passé ne peuvent plus être acceptées par la jeunesse. Qu'on nous permette de pouvoir nous équiper et de faire la guerre, parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir, ça jamais. Sinon, pourquoi on serait venu? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. On ne peut pas dire que ça va échouer. Ça va peut-être réussir. On le souhaite tous. Si les pays africains peuvent se débrouiller de façon indépendante, c'est la solution idéale. Mais pourquoi fait-il appel aux Russes, alors? Mais ils n'ont pas encore fait clairement appel aux Russes. La stratégie qui consiste à dénigrer systématiquement les dirigeants africains, à les faire passer pour des incapables, des corrompus, sans projet, elle ne peut pas durer plus longtemps. Parce que les jeunes dirigeants ont fait les mêmes écoles que ceux d'Occident. Ils ont les mêmes aptitudes que ceux du Nord. En plus, ils ont une meilleure connaissance du terrain. Le bashing systématique des médias du Nord n'a plus le même effet, puisque désormais, les Africains, grâce à la toile, ont d'autres sources d'informations. Ils consomment moins les traditionnels médias du Nord qui arrosent la planète de façon discontinue. Ils sont beaucoup plus critiques sur les analyses qui leur sont proposées. Ainsi, faire passer un Assimi Goïta, un Mamadi Doumbouya, un Damiba ou un Ibrahim Traoré, pour des idiots ou des illuminés, ne prospère plus, puisqu'ils ont vite fait de rappeler qu'ils étaient eux aussi dans les grandes écoles de guerre et n'étaient pas des cancres. Ils rappellent également qu'ils ne peuvent pas être plus mauvais que ceux que l'on a installés à la tête des jeunes États au lendemain des indépendances pour servir les intérêts de l'ancienne métropole. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Affligeant, non? Peut-on établir une comparaison avec les militaires que toute la presse internationale désingue? Et de toute façon, on n'a jamais vu un parent changer son enfant handicapé contre celui du voisin qui est mieux portant. Ceci, quelle que soit la lourdeur du handicap.
Ceci doit amener les dirigeants du Nord à comprendre qu'ils doivent composer avec ceux qui sont aux affaires. C'est avec eux qu'ils doivent construire le bouclier dans le Sahara. Si l'on veut en finir avec cette guerre, il faut mettre un terme à cette hypocrisie collective. Il faut arrêter de susciter des complots pour les renverser et se concentrer sur l'essentiel. Mais une fois qu'on a établi les responsabilités des autres, une fois qu'on les a mis devant leur réalité, qu'on leur a fait comprendre que nous ne sommes pas dupes de leurs manœuvres et que ça ne peut pas continuer ainsi. Une fois qu'on leur a fait comprendre qu'on traitera avec le mieux-disant, qu'on ne veut plus sous-traiter notre sécurité, on doit aussi, dans le même temps, pouvoir se regarder dans la glace et établir nos propres responsabilités. On ne peut pas ne pas dénoncer l'indifférence, le manque de solidarité de la grande majorité des nations africaines face au drame qui ensanglante le Sahel. Personne n'ose le dire tout haut, et pourtant dans les couloirs des chancelleries, cela se murmure. Les dirigeants subsahariens ne se sont pas illustrés par leur soutien au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou au Tchad. En dehors de la jeunesse qui se mobilise, qui se solidarise, la plupart des dirigeants de nos pays regardent ce drame en spectateur. Plus grave encore, certains chefs d'État dont le logiciel n'évolue pas et qui préfèrent continuer de jouer les nègres de salon, continuent de jouer le jeu des Occidentaux. Même si en privé, ils saluent le courage des jeunes officiers maliens et burkinabés qui ont osé tenir tête à l'ancienne métropole. Pourtant, leur soutien serait un rempart solide et efficace face aux adversaires du Mali. Il y a un temps pour la politique et un autre pour l'engagement. N'attendons pas que les forces étrangères, vexées par l'audace de ces jeunes officiers, s'organisent et frappent comme elles en ont l'intention dans les prochaines semaines pour tresser une couronne à ces officiers qui ont bousculé les habitudes. Leur échec n'épargnera personne, même pas leurs adversaires. Et la jeunesse ne laissera pas faire. Elle a appris l'efficacité de la rue. Elle sait désormais s'en servir à bon escient. Mais on doit tout faire pour ne pas en arriver là. La raison et le bon sens devraient prédominer, n'est-ce pas? Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes, celui qui vous propose le narratif africain. Sans complaisance, mais sans condition.